Salut tout le monde, c'est Kia Gaming. On se retrouve sur Call of Duty Black Ops 3 pour une nouvelle vidéo. Et là, je voulais vous montrer un peu le QG. On a un chez-soi, on va dire. La base. Alors, c'est quoi ça? Objet récupéré. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, respectez les objets uniques que vous avez trouvés pendant la campagne. Mettez en évidence pour donner une petite touche personnelle à votre baraquement. Ah ouais, ok. Là, par exemple, si je mets ça, tête de mort. Ok, d'accord, tu personnalises un peu, tu te mets à la Binx. C'est quoi, savoir les tenues? Alors. Infiltré. Prototype. Blackout. Alors, moi, comme ça, j'aime bien. Ah, c'est marrant comme ça. Je vais mettre comme ça. Ah, j'ai vu, on peut changer de personnage. Coffre de données. Coffre de données personnelles. Explorer les archives. Oh, on s'en fout. Ah, tu vois tes stats en fait, tes trucs. Marque de clan. Singapour, données. Ouais. Pas mal fait. Salut Hendrix. Où on est déjà? Singapour. Un de mes endroits préférés. Si on prend pas en compte tous les autres. On a rendez-vous avec notre intermédiaire. Dans la zone de quarantaine. Là c'est pas mal parce que vu que le jeu tu peux le faire en coop. En ligne à 4 hein. Ça c'est plutôt pas mal parce que là t'arrives, t'as le QG, je pense que tout le monde peut être là. T'es là, tu règles tes petites armes avant de partir en mission. Comment ça fonctionne alors? Débloquer 9 kits de fabrication. Utiliser un kit, d'accord. Est-ce qu'on peut améliorer? Lunettes. Mode réflexe, accessoires. Une poignée argot, ça peut être pas mal. Un autre accessoire. Deux poignées, moi j'aime bien les poignées. D'accord. Ah oh, ouais. Je... C'est une mission de la CIA. Ici, c'est leur base. Il y avait quoi d'autre ici? Tu te rappelles? J'espère aussi que tu te rappelles ce que je pense de la CIA, qui épine aux moindres faits et gestes. Cybernoyau. Ils épient toujours, Hendrix. Tu dois le savoir, ça. Je crois que tu deviens grincheux avec le temps, c'est tout. D'accord, en fait, ça se passe en plusieurs trucs. Contrôle, martial et chaos. Panne d'implant. Pirater et bloque deux implants de combat ennemi. Ouais. Déploie autour de vous un écran de fumée défensif. Pirate les capteurs de combat ennemis pour simuler une attaque de robots aériens. Des faux robots servent de leur. Ouais, ça peut être intéressant tout ça. Comment ça se passe quand on va acheter? Utilise un kit. Enfin, c'est quoi pirate? Débloque deux implants de combat ennemis. L'adverse doit lutter contre son propre équipement pour se déplacer ou faire feu. Perce le blindage d'un robot afin d'arracher leur cœur. Ah, ça peut être pas mal. J'ai augmenté. Je l'ai amélioré et tout. Augmente la zone d'effet de l'onde de choc. Ok. C'est quoi ça? Prends le contrôle d'une tourelle et d'un véhicule. Ça j'aime bien ça. J'aime bien. Y'a pas des trucs où ça peut me soigner, je sais pas. Écran de fumée. Booste tous vos systèmes de moteur pour piquer un sprint éclair. Tous émis sur votre passage subissent une commotion fatale. C'est marrant. Et KO, y'a quoi? On circuite les commandes d'un robot. Il s'enflamme et explose une boule de feu. Ah
Après, il y a trop de trucs, c'est chiant comme la mort. Inverse le protocole de détection allié, robot d'une tourelle ennemie qui combattent alors pour vous. Bah voilà, j'ai pu améliorer pas mal de choses quand même. Hein. Y a quoi d'autre? Registre d'émission. D'accord, aperçu dans les ténèbres, ça c'est la prochaine mission qu'on va faire. Performant, choisir une mission. Alors pour l'instant j'ai fait quoi? Non, c'est celle que j'ai faite. D'accord, plus tard, incompatible avec la série. Ah non, ça c'est que j'ai pas fait. D'accord, j'en ai fait que deux pour l'instant. Ah mais c'est ça en vrai, bah deux missions, ouais bah ouais c'est ça. Y'a combien de missions? Si ça s'arrête à vie. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 missions, ça va, c'est plutôt pas mal. Bon, ça peut peut-être un peu spoiler, je suis désolé. J'aime pas trop les titres. Mission suivante, d'accord, pour déployer, on vient là. Bah, c'est pas mal ici quand même, et ça c'est quoi ça? Immersion de combat. Pour faire quoi? Faites-vous la main sur des larges arsenals d'armes, d'équipements. Ah, d'accord. Comment c'est l'immersion? En fait, c'est pour tester juste tes armes. Comme ça, tu fais un petit test avant de d'aller au combat. Allez, c'est parti. Ah, ça, c'est vraiment bien. Tu peux tester et tout. Allez, meurs. Voilà, je me suis tué, magnifique. Recommence l'immersion. Ok, on recommence. Allez, c'est parti. En fait, là, j'ai plein de trucs. Alors, turbo amélioré, force motrice, secousse fatale. On va essayer ça. Oh, y'a un sniper ou quoi? Hey! Il est là-haut là. Ah oui, c'est là, je la kiffe. Et bah, franchement, je trouve plutôt pas mal l'idée qu'ils ont eu de faire ça. Manche terminée. Allez, faut claquer maintenant. Aïe. Aïe, c'est quoi ça? Ah mon dieu! Je vais me faire un petit plaisir là. Oh mon dieu! Ah je l'ai touché! Ouais mais oh, Terminator là, c'est quoi ces boss? D'accord, c'était pour attaquer ça. Et pas lance-roquette. Oh là là! Il est trop fort! Tout ce que j'ai dû lui mettre pour le tuer! Prochaine manche! Non, je peux faire un meilleur score et tout pour voir un peu si vraiment ton arme allait bien. T'as fait le bon choix. Oh mon dieu! Ah! Non! Comment ils m'ont ruiné? Oh, mais direct! Allez, c'est mon shard là. Nickel! C'est pas mal, hein?
C'est plutôt pas mal tout ce qu'il y a. Je pense que j'ai pas loupé quelque chose. Je voulais monter en haut, voir vite fait les escaliers. Je pense qu'il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a rien. Bah voilà, hein. Je voulais faire juste le tour de ça pour vous montrer un peu la base. Vu que je sais que je vais pas y mettre tout le temps les pieds, je vais directement lancer l'émission. C'est pour montrer que ça existe. Et que c'était plutôt pas mal. Armurerie, les pouvoirs, la cyber noyau, je sais pas quoi. C'est vraiment bien fait comment ils ont fait, franchement. J'aime trop. Dis ce que vous en pensez de ce petit QG, on va dire. Comme ça, ton petit côté, ton coin là. Offre à donner et tout. Bah écoutez, moi je vous abandonne là. Ah, c'est quoi ça? État de service. Regardez, c'est pas mal, hein, c'est complet. Hein. Ah, tu vois les trucs qui sont censés être accrochés ici, là. Bon, moi je vous laisse, je vous abandonne. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Call of Duty Black Ops. Et d'autres jeux. Laissez un petit commentaire. Allez, ciao.